Salut mes Chouquet, aujourd'hui petit vlog en détente, des making-of et des coulisses un peu du tournage qu'on venait en train de faire à Europa Park pour Fred, mon Fred Van Long, et y'a ma jus qui me suit. Le vlog est hyper décousu, vous allez voir. Tu disais quoi Romain? Oh, j'ai encore une journée de boulot quoi. Je te lève à 9h du matin, tu demandes rien, t'as à peine déjeuné, on te dit super euro, tu vas peut-être faire une attraction. Déjeuner gratuit en plus hein. Ah ouais. Et illimité. Et du coup qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Tu manges trop, tu vas te servir, tu prends du poids. Alors que quand t'es chez toi, t'es là. Tu payes. Ok, je prends mon café, j'ai la femme de me faire à manger, basta, je suis très bien. Exactement. J'ai le temps de me réveiller dans mon canapé de 2 heures sur TikTok. Ouais, ouais. Regardez des gens qui sont sur Voltron justement. Ah, là on est là, il fait beau. Putain, mais quelle galère, quoi. Chier. Le bon grabot. Quand tu te sens, mon gros? Très bien. Et toi, Jordi? Non mais ça rigole beaucoup derrière le téléphone, il est comme ça. Ah moi je me chie dessus. Parce que là j'allais reprendre le téléphone pour te filmer mais ça sert à rien, c'est la première attraction, elle est facile. On fait comme si tu me filmais là. Bah là c'est Arthur et les minimos, c'est pour 4 ans. Comment tu te sens Max? C'est 4 ans et plus. Là t'es à l'aise là. Là je suis à l'aise, ouais. Je suis à l'aise, regarde. Et toi? Moi je suis très bien, moi je suis très bien. Et toi Majo? Et moi au top. Ok. C'est aussi ça hein, les tournages. De l'attente, beaucoup d'attente. Il fait chier Fred. Il fait chier Fred. C'est pas ça, c'est parce qu'on est en train de faire. Non, il fait chier, regarde, tout le monde l'attend là. Non, non. Il est en pleine séquence sponsor, il fait chier. On est où mon con là? On est à Europa Park, mais je sais pas dans quel. On est en Islande? Oui, celui-là. Suède. Oui, Norvège. Oui, good job. C'est vraiment le top. C'est super la vie. Tu dis pas, Jus, comment elle va? Super, et toi? Ça va super. Enzo, comment il va? Quand il s'agit de manger, ça va toujours très très bien ici. Comment il va le prêtre? Moi je mange pas beaucoup hein. Non, si. Matt, regarde, Matt, balle bien, j'ai deux assiettes. Non mais il y en a une qui est à moi. Oui, mais tout ce qui est à toi est à moi. C'est ça la vie d'artiste. Hein. Alors là on rentre du boulot, boulot, tournage pour le Fred, on rentre, pistoche, all inclusive. C'est ça qu'on aime, quand c'est gratos c'est encore meilleur. Oh là 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 là. Waouh. Waouh. À la banane, c'est mon préféré. Il est 6h30 du bas. Du quoi? Du bar, ouais. C'est parti. Il est quelle heure, Maju? Il est 6h30. J'arrive pas à parler. Vous êtes bien, les gars? Qu'est-ce qu'on fait, Maju? C'est quoi, c'est... On va faire des toboggans. Regardez cette tête de fatigue. Tu trouves qu'on est fatigué là? T'as bien dormi? J'ai hyper bien dormi. Wesh! J'ai toujours. J'ai aucun mot qui me vient à chaque fois. J'ai tout en tête. Non mais regarde-moi, on a nos paniers du petit. J'ai tous les mots qui sont en tête, mais j'arrive pas à les sortir. Je suis d'une fatigue, écoutez-moi bien. Voilà, deuxième jour. On va s'envoyer en l'air pour mon Fred. Parc aquatique, de voir ça. Ouais, c'est super. Grave un gars de l'eau. Un petit croissant? Ouais. Là, il y a le petit croissant. Là, il y a l'eau. Là, il y a la pomme. Là, il y a les sandwichs. Il y a quoi les sandwichs? Jambon. Les deux? Je crois, ouais. Ouais. Double jambon, banane. Je vais commencer tout de suite avec. Ah putain, attends! Oh, on dirait les sachets fraîcheurs de quand t'es petit, tu sais. Oui, c'est vrai. Tu sais, toujours un gars qui avait des goûters de zinzin. J'en ai jamais eu. Mais toi, t'avais les goûters stylés avec les packaging stylés. Non, moi, j'avais rien. Là, t'as envie de ça, là, à 6h du matin. Il y a un concombre dedans, j'ai l'impression. Il y a un concombre dedans. Pourquoi faire? Il y a de la sauce? Non. Les deux concombres dans le sandwich. Bande de bâtards. Le sandwich, il est sec. Il a donnez-moi de l'eau. J'en peux plus. L'eau, elle est où? Oh. 6h30, il est dehors. Qu'est-ce qu'il fait lui? C'est quoi sa vie? J'ai envie de prendre une birque. Il l'a jeté. Mais non, tu vas regretter. Un peu comme Fred à Gare de l'Est, il a fait ah, j'ai envie d'être fou, j'ai envie de crier. Ah, on va là-bas. Non, il rate. Est-ce que tu peux zoomer? Ouais.
On arrête. Je suis surexposé, le plan il est trop beau. Je suis sûr qu'il a éclaté ton plan là. Ouais, je suis même pas droit, je fais que bouger. Et t'as des choses à dire ou pas? T'as des choses à dire? Ouais, moi ça va, on a fini le tournage là. On fait quoi? On est bien. Alors on va manger. Ça va vite. Quoi, si tu veux, ça va. Hey, franchement, c'est pas amusé? C'était super. Hey, merci. C'est immense. Hein. Merci pour ce que tu fais pour les deux. Ah, non, pardon. De quoi? Parce que ce matin, non, pardon, mais. Moi, je pensais qu'il y avait une connexion, quoi. Non, non, là, on attend pour le self. Là. Ton regard, il est bizarre, ce moment. Non. Ok, pardon, pardon. Non, je me suis trompé. Après, on a d'un verra que la cam sera fermée. Fermé, tu dis, toi? Ouais, moi, je l'ai. J'ai un vocabulaire de mec qui va avoir 37 ans. Et là il y a Romain Monroe. Oh, oh les jeunes, ça va les gars? Les jeunes, oh là là, terrible derrière. Oui, les jeunes, vous allez bien? Oh là là, les jeunes. Là c'est en direct, c'est là, sur antenne. Non, là il y a un montage qui va être fait. Salut les jeunes, tu commences à voir où le chat pour que ça filme ou est-ce que tu vois que ça filme? Bah là c'est là, là, regarde. Là je mets mon doigt devant là. Ah ouais. Non, mais... Salut les gars. Oh là là, putain c'est insupportable. Max, juste un truc, tu vas manger ça? Ouais, qu'est-ce que tu fais? Non, mais juste ça là, tu le manges ou pas? Qu'est-ce que tu fais ça? Non, mais c'est juste pour savoir si tu le manges. Mais non, mais. Non, mais c'est attends, plat. Mais attends, je pose une question. Vas-y, prends. Mais non. Oui, je mange ça. Tu le manges ou pas? Ok. Bah, mais peut-être pas le c'est tout. J'ai un débat pour vous. Vous pensez que c'est le crocodile ou le rhinocéros? Hein? Rhinocéros mille fois, il éclate. Ouais, rhinocéros ou crocodile? Non, le rhinocéros, il éclate. Rhinocéros. Tu sais que j'ai fait une vidéo de la comparaison du meilleur animal. Parce qu'en fait, je veux trop savoir qui est le plus fort entre. Genre entre le gorille par exemple et le lion. Ou le tigre. Ah, mais c'est super. Qui est le plus fort entre le gorille ou le lion? Mais bah, le gorille. Regardez quel animal le plus fort. Le roi de la jungle. Mais... c'est le roi, c'est le. Moi je vais rien dire. C'est hein. Le roi de la jungle. Mais c'est pas un argument. Si. C'est ce qu'on raconte aux enfants. Mais si. Alors, même la girafe elle est un. L'éléphant et tout. Ça dépend. Est-ce qu'on se base sur le ratio? Il y a un ratio, masse force. Parce que sinon c'est un insecte. Excusez-moi, mais je veux celui qui encule tout le monde à la bagarre. Il y a un 1v1. Moi je pense que le gorille. Non mais moi je veux pas de ratio. Moi je te quel dis. Quel est le plus fort à la bagarre? Ouais. Moi je te dis le gorille. Le ratel. Et moi j'aimerais trop voir le gorille vs l'ours blanc, mais ils peuvent pas se rencontrer. Mais tu vois pas dans, dans une demi-finale. Le tigre. Qui bat le lion? Hippopotame, ils sont plusieurs. Hippopotame. Il y a les hippos aussi. Ah, hippopotame. Je crois que c'est les hippos. Je crois que c'est les hippos les plus forts. Oh, j'allais faire une vidéo là-dessus, ça y est. Entre le lion et le gorille. Le gorille. Mais oui, non mais le gorille il est trop fort. On peut tous les perdre. Non. Bah, qui est le meilleur entre le croco et le rhino du coup? Vous avez vu le premier degré dans ses yeux ou pas? Ah mais... le gorille. J'ai une autre question aussi, parce que ça dépend beaucoup du lieu de combat. Imagine tu fais lion requin mais dans l'eau. Le pas bien quoi tu vois. Salut les vlogos. Là on est fatigué, on vient de finir de manger et on est dans le RER volant. Parce que la Jules veut faire Sylvester. Mais on vient de manger comme des saucissons. Ouais, on a mangé comme des saucissons. Comme des saucissons, du coup. Parce que les gougouttes. T'as vu le fiasco ou pas? Oui. Alors, t'as aimé cette série? Incroyable. T'as tout regardé? Tout. Putain, moi j'ai regardé le premier épisode, on était malaisés avec Nico. Ah, t'as pas regardé? T'as pas aimé? Et en fait, j'ai du mal avec le cringe. Oh là là, faut et là, comme absolument il bien, regarder tous. Fiasco, c'est. Une amour de série. Putain, c'est le vlog le plus décousu de l'histoire. Moi j'adore ce vlog. Parce qu'il est, il est dans l'énergie. Regardez cette tête là. Regardez. Non, c'est pas là, cette tête là que je veux dire. Oui. On est en direction du. De l'attraction Arthur et les Minimoys. Qu'on conseille à tous, petits et grands. Ça a été élu meilleure attraction de 2016. Voilà. Donc rien que ça. Oh putain, c'est le. C'est Shrek? C'est Shrek. Hey now, you're the actor, don't know, really know. Oh yeah. Hey now, you're the rockstar. Sortez de mon arrêt, truc. Ouais. Faut s'imaginer quoi. Ouais. Du coup, le premier jour, on a tourné ici à Europa Park des attractions. Vous verrez, c'est super pour devine qui a fait l'attraction. Et aujourd'hui, du coup, on a plus tourné au parc aquatique qui était incroyable. Vous connaissez mon amour pour les parcs aquatiques. Pas tant. Je suis allé à Center Park, ça fait pas longtemps, c'était super. Aqualand à Saint-Cyr-les-Lecs. Pour les connaisseurs, ça c'est incroyable aussi quand j'étais petit. Et regardez là, la star là. Alors en fait, tu fais des blagues de merde et quand tu l'arrêtes dans la rue, il fait oui, pas de problème. Mais quoi, toi? Tu m'as compris que c'est quand t'arrêtes dans la rue et qu'on fait ah, t'es gars, Pierre Croche? Oui, pas de problème. Avec grand plaisir, tu rigoles quoi? Ça devient de plus en plus rare donc n'hésitez pas à le. Alors il y a plusieurs trucs, je suis l'arbitre de Pierre Croche. Si vous êtes plus stylé, vous dites le chinois de Pierre Croche. Quand vous arrivez à ce niveau là, c'est raciste et méchant. Vous êtes réducteur. Et du coup, je vous fais des vidéos, des photos, des snaps, tout ce que vous voulez. Vous êtes mes amours. Moins vous êtes respectueux, plus il va lui vous respecter. Et si vous avez un rib, c'est virement instantané. Ça part en PayPal, en Lydia, donnez-moi tout, je donne de l'argent.
Regardez comme j'ai upgrade, maintenant j'ai un caméraman. Le moment on est passé là, c'est le moment où Fred il disait qu'il était hétéro-curieux. C'est quoi? Hein? Non je disais, c'est le... là c'est quand tu me parlais du fait que t'étais hétéro-curieux et que fallait pas que... Tu fais des trucs de fou comme mourir ça. Bête et tout. C'était plutôt sur la fin du virage. Oui voilà. Ah j'ai rien dit là. C'est là qu'il est bon. Après il a 10 ans de métier. Hein. Qu'est-ce qu'on fait Fred? Quand tu vlogs, faut que tu dises aux gens quoi. Bah c'est à toi de le dire. Les gens qui... Je pense que ça soit à toi parce que c'est toi qui... Toi t'es plus connu que moi. Écoute, donc, écoute Maxime. Non moi c'est Maximilien. Oh tu le dis avec tes prénoms. Tu le dis avec tes prénoms. Là il y a trop de sucre pour moi, ça me stresse. Je n'aime pas le sucre. Voilà. Spaghetti mais en glace. Là je pète un câble. Tu me dis que si t'aimes bien. Je vois rien Max. Il y a de la brioche. Mais attends mais... Il y a pas ces cadres. Il y a de la brioche avec de la vanille à l'intérieur, glace vanille à l'intérieur, c'est toasté. T'aimes bien ou pas toi? Il peut pleuvoir à fond. T'aimes bien moi toi? Oh non là tu me parlais? Ouais. Pardon, je t'écoutais pas du tout. Là en gros c'est Fred qui regarde le ticket de caisse parce qu'il manque des trucs en gros. Non mais j'explique parce qu'il faut expliquer aux gens. Il était bon en vlog manga. Alors deux spaghettis ice, donc c'est les deux. Regardez c'est fou, c'est des spaghettis à la carbo mais en glace. Lucien tu me suis dingue non? Regardez. Un verdict, combien sur 10? 8. 8 sur 10. Solide 8 ouais. Et quoi? Ah, 8,5. Moi j'ai pris un truc beaucoup trop gros alors qu'on a fait que bouffer. On comprend pas, vas-y. Un truc beaucoup trop gros. Ah, le plan il est super là, regarde. Les gens ils s'en fichent. J'ai des cadreurs et tout. Oh là là. Vas-y, pause. Historique. Un grain café et un burger à glace à vanille. Je suis valouse ou quoi là? Il y a de la cannelle aussi dessus, non? J'adore la cannelle. Il y a énormément de cannelle. T'adores beaucoup. Petit conseil, ceux qui aiment pas la cannelle, pas à prendre. Il y a trop de sucre. Non, t'adores ça. Vous mettez trop de sucre dans vos glaces. Tu le manges ça? Ce qui est drôle, c'est que tu mets ton doigt, mon gars. Tu vas pas au bout de la vanne. J'ai pas tu vas pas au bout de la vanne. La vraie vanne, non, regarde. Je te montre la vraie vanne, ce que tu veux faire, c'est... Tu vas le manger, ça, ou pas? Ça, tu le manges? Ok, bah, c'est comme tu dis. Ça, non, mais tu voilà, c'est ça. Au bout de ta vanne. Ils savent pas les mains, lui. On est dans la même chambre, depuis deux jours, ils savent pas les mains, là. Comment tu sais que je me lave pas les mains, moi? Mec, je te surveille. 8,5 sur 10. Mais est-ce que tu croques la glace, du coup? Ouais. Ça fait mal aux dents. Un poil désagréable. Ouais, ça fait froid aux dents. On est chien et chat, on est cul épice avec mon frère. Non. Cul épice. À quel moment tu mélanges le cul et la pisse? Je mets pisse dans mon cul. J'y vais sur mes 37, les amis. Mais c'est pour ça que je fais ces vidéos là, c'est pour me rajeunir un petit peu. Et après, je vais faire la vidéo sur les compétitions du meilleur animal. Le gorille, il défonce le crocodile, je te jure, c'est vrai. Ah ouais, tu les mets tous dans une cage, à voir qui gagne. Putain, franchement, bravo. Hein. Putain, quelle idée de mettre de la chantier avec de la glace avec un petit biscuit là. Ça malade les gens quand même. Ils mettent trop de sucre dans la glace, je suis désolé. Mais chantilly, pour le coup, elle est pas assez sucrée. Lasagne, tu veux dire? Ouais. Lasagne. Je suis allemand. Je suis allemand. Ma mère est alsacienne. Ça s'appelle Ellen Hauer. C'est cette intonation là que j'adore. Mec, tu peux tout ça, garder. Tu vas vraiment le manger du coup. Quoi? Tu manges ou pas ça? Fred. Café à la crème. T'es un anglais toi, café crème. Whisk cream. Avec un nuage de lait. Lait. Cream. Caramel. Vanille, je crois. Putain, t'as son gars. Ah mais... Dégoût ce gars. Il a pété son cadreur. Personne ne le sait. Il a pété ça sur toi là. Quelle image j'ai au père de repas par contre. Il y a un truc que je peux vous jurer, il sentait pas. Ah ça compte pas alors. On annule, ça s'annule. Là on est en train de rentrer en taxi avec Genzo, Juju, Jordi et Romain. Et Romain, Jordi et Genzo ont passé la journée dans le Rolantica. Apparemment il y a des anecdotes de fou. On arrive à Rolantica. Les tickets ne marchent pas. On met Europa Park, ils font c'est que pour l'Europa Park, ça va pas du tout. On explique qu'on est youtubeur, elle nous fait passer à une autre caisse et là on explique excuse me, we are youtubeur, tu vois. Et là elle fait ah ok, je vous ai retrouvé. Effectivement, c'était pas les bons passes. Elle nous donne, tout se passe bien. Ça, et du coup, les petites montres qui vont avec. Les petites montres qui vont avec. Les petites passes qui montrent. Bien. Très bien, très bien. Moi, j'essaie de garder mon téléphone un peu, tu vois, pour faire des photos et tout. Et là, vu que j'avais mon téléphone pour payer, je fais vas-y, je vais mettre 20-30 balles sur la montre. Au moins, on peut aller au bar et on prend un verre, tu vois. Parce qu'il y a un bar dans l'eau. Dans l'eau, exactement. Dans l'eau. On va pour créditer. Et en fait, au moment de créditer, on se rend compte qu'il y a déjà 150 euros sur le bracelet. C'est écrit en allemand. C'est que 150 euros. Et du coup, on se dit, mais attends, qu'est-ce que ça veut dire? Du coup, je tape sur Google Translate, tu vois. Et c'est écrit Your credit, ton crédit à toi, 150. Et là, on met chacun notre bracelet, 150. Et on se dit, what the fuck? On a des bracelets et on a 150 euros chacun sur le truc.
et on peut faire ce qu'on veut. On est comme des oufs, on est comme des oufs. Et là, on a une. Par contre, j'imagine leur tête à la sortie. Par contre, on a un truc, on a 1h45 pour les On est millionnaire. Mais pendant 1h45, tu vois. Verres, et après, il voit des gens en bas, ils disent, oh, tu veux un verre, je te paye un verre. On paye des coupes de champagne, on paye tout. On boit tout, sauf qu'en fait Jordi elle boit un peu moins que nous. Et du coup elle arrive à la boutique, il lui reste 100 balles en fait. Ok, on défonce les 100 balles. On achète un short, un carnet. On va rien laisser mon pote. On est des crevards. Je les imagine. Et là au moment de partir, tu vois, bah, comme on l'a vécu tout à l'heure, on met les montres, tu vois, genre dans. Et du coup je mets la montre, je vais pour sortir. Et là t'as le mec qui me dit attends 3 secondes, il faut que t'attendes que ça passe en vert. Je mets mon bracelet dans le truc et du coup il me fait stop, wait 3 secondes, faut que ça passe en vert pour que tu puisses partir. Et là je fais bah comment ça c'est que c'est rouge, je vais payer ma place quoi. Et il fait hop, you must pay 148 euros. Et en fait des trucs c'était des sous qui étaient déjà crédités et tout ce que tu dépensais c'était des trucs que tu devais régler à la fin. Et on a payé 435 euros. Oh, c'est pire que le. C'est pire que Silverstar. On a cru qu'on était millionnaires. Une entrance, en fait, c'est comme ça, Silverstar. On a été rappelé à la réalité. Voilà. On a mangé ensemble à midi. Il a pris de l'eau. Il a dit c'est important de prendre soin de sa santé. Putain, on en parle à Genzo. Genzo, il dit je bois pas pendant un mois pour faire le vrai. Après, là, par contre, quand on est riche, genre, il faut pas cacher ça. Et le gars commande 3 verres. C'est historique ce qui est en train de se passer. C'est la meilleure anecdote de tournage de l'histoire. Là. Il dit, oh, tu veux un verre? Allez, t'en veux un? Je t'en paye deux. Il dit, mais je suis avec ma femme, mon enfant. Allez, je t'en paye deux. Alors que le il s'est même pas bu. Je te jure qu'il y a le Google, le Translate, je pense que c'est la dernière chose que j'ai vérifié. Oh putain, c'est énorme. Si tu l'as, c'est énorme. Attends, je l'ai. Attends, regarde. Regarde-moi ça, gros, je te le montre. Allemand. Hill, Gustaben, votre cri. Bah ça veut dire ce que ça veut dire gros à un moment. C'est historique. C'est un haut dans une boutique souvenir de Rolantica. Personne dépense 150 balles dans les boutiques souvenirs. Sur les 150 euros que Genzo il avait, la seule chose qu'il a acheté à sa meuf, c'est un paquet de bonbons de 4 euros. C'est pour sa meuf. Oui, il doit lui faire des trucs de fou là, ça va en pas. Des pochettes surprises et tout. Non, mais imagine, il lui achète ça quand il est millionnaire. Mais imagine quand il est pas millionnaire. Il fait quoi, on va encore dans sa meuf. Bébé, quelle main? Main droite ou main gauche? Main droite, Dédé. En fait, tu peux ramener ça à ta meuf. Mais faut juste pas lui expliquer que t'avais 450 euros de budget. Je vous jure, il nous a dit, je ramène ça à ma meuf. Il a fait, mais il a dit, il faut pas lui dire qu'on avait 450 euros de budget. Allez, à toi, Max, le mien, c'est ton. Vas-y. Pour c'est que les bonbons, mais c'est je pas. Je sais même pas ce que c'est. Ça, c'est le haut d'aujourd'hui. C'est des bonbons. On a acheté 5 parce que du coup, on avait pas d'argent. Des bonbons qui ont l'air si mauvais. Mais c'est des bonbons qui se croquent, enfin, qui se mangent comme ça en fait. Ah non, c'est, oui, le, c'est sur, un peu des c'est le tourniquet ça. C'est une arme blanche. Après, j'ai vu ça que je connais pas. Donc, je me suis dit, je suis millionnaire. Ah, on peut goûter, on peut goûter. Ça me coûte 2 balles. Ça, c'est le seul truc potable du rôle, j'ai l'impression. C'est le truc que j'ai ramené à ma copine. Ah, mieux que le. C'est mignon. En vrai, surtout qu'on avait regardé un Capital. On avait regardé un Capital sur Rolantica avec ma copine et elle savait que c'était la personne. Il est hyper sympa. Tous les détails. Rajoute un truc. Alors, premier très très bel objet. Ah. 30 balles, je pense. 30 balles. Attendez, on regarde les prix. 25 balles. 25 balles. Bah, compensé bien. Gratuit du coup. Oh, c'est une en plus. Il y a plus de. Oh, ouais, belle couleur. Belle couleur. Oui. Deux magnifiques maillots. Oh. Choisis celui que tu veux présenter en premier. Tu prends jamais ça, mec. C'est dans cette couleur. Pour moi. Mais c'est quoi cette taille en mec? Et le logo, il faut être de biais pour le voir. C'est mi devant, mi derrière. Tu peux dire la taille, s'il te plaît. C'est XXL, non? C'est du L. Celui-là, il est déjà un peu mieux. Même si le logo est beaucoup trop gros pour le maillot de bain, je trouve. Là, on arrive sur le meilleur, le carnet de concept. Le fameux. Mais le je trouve ça mignon pour une adolescente de 12 ans, genre, ouais. Journal intime, quoi. Mais il a 35. Ouais, quand je mettrai des idées de concept, je prends des millions de vues là-dessus. C'est plus chiant de cadrer là-dedans qu'un parc d'attractions. Oui, c'est vrai. Le carnet de concept, mais putain. Je veux que tu mettes des concepts dedans et que tu mettes en story. Alors, je vais vous présenter mon nouveau concept. Et tu l'as écrit comme ça. Oh, les pages, elles brillent un peu. Oh, I'm not a millionaire. Moi non plus, sinon je serais pas là. Belle page. Tu
finir là-dessus. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé. Salut mes chouquettes, la bise et ciao. Évidemment, allez voir la vidéo de Fred, mais ça, je l'ai déjà dit plus tôt. Ouais, c'est je l'ai déjà dit plus tôt. Bisous. Il est plein de. Il veut son buzz à chaque fois, lui.